Regarde ce que j'ai trouvé. À chaque année, c'est la même histoire. Ma mère peut pas s'en empêcher. Elle me force toujours à porter un nouvel habit pour la photo de classe. Ça me sert à rien de chialer. Elle m'écoute pas. T'es donc bien beau dans ton petit habit. Check Bertrand, comment est-ce qu'il est beau. Maman! Bertrand! Quoi? Garde-le comme il est beau. Oui, là, garde-le. Je veux que tout le monde soit calme et écoute bien. Je vous présente Daniel. C'est lui qui va vous photographier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit, tout le monde? Bonjour, Daniel! Bon matin à toi. Comme ton enseignante te l'a déjà dit, je m'appelle Daniel Patnaud et je suis photographe. J'aurais quelques petites consignes à te donner avant de travailler avec toi ce matin. Okay? Alors, je vais te demander d'être attentif et de garder le silence. Puis vu que je suis le plus petit de la classe, je suis toujours le premier pour la photo. OK, mon petit bonhomme, c'est à toi. OK, regarde en avant. Mets ton dos droit, mets tes mains sur tes genoux. OK, on sourit. Mais là, on dirait que tu reviens chez le dentiste. OK, on va prendre une deuxième. On sourit. Les photographes me demandent toujours de mettre les deux mains sur les genoux. Moi, je trouve ça laid. En plus, pour la photo de groupe, je suis toujours poignée pour être assis en avant, au milieu. J'aimerais ça être debout. C'est bien plus beau. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est encore plus laid que celui de l'année passée. Jouer, je peux pas salir mon linge. Que ça change, tu le laveras? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je peux pas.